Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Justin, je suis vidéaste. Le Parti communiste français m'a proposé de suivre en immersion Fabien Roussel pendant plusieurs semaines. J'ai trouvé le sujet extrêmement intéressant et donc j'ai accepté avec enthousiasme. Actuellement, pour ce premier épisode, nous sommes dans la région de Rouen et nous allons aller avec Fabien Roussel et des parlementaires communistes à la rencontre de syndicalistes, de salariés, de gens qui se battent dans leurs entreprises. Vous allez voir que c'est des boîtes qui sont toutes très différentes, qui ont des enjeux extrêmement différents. Allez, on va aller voir ça immédiatement. Pour celles et ceux qui auraient manqué un épisode, Fabien Roussel, c'est lui. Fils de militant, il fait ses armes dans le cabinet de Michel Demessine, alors secrétaire d'État, conseiller municipal de Saint-Amand-les-Eaux. Député du Nord, il est élu secrétaire national du PCF en 2018. Très vite remarqué sur les plateaux par son sens de la punchline. PCF is back, comme je l'ai dit, et maintenant c'est la remontada. Aujourd'hui, il est également très en retard. Et là, vous êtes en plein dans le feu de l'action parce que je suis en train de suivre Fabien Roussel qui est dans la voiture juste devant et qui est en train de chercher un rythme effréné, son lieu de rendez-vous avec l'intersyndicale de Vallourec. Vallourec, c'est un fabricant de tubes en acier pour l'énergie et l'industrie. Le sujet de la réunion est d'aborder le plan de suppression d'emplois annoncé par le groupe. Celui-ci laisserait dans la région rouennaise plus de 190 personnes sur le carreau. Donc on était chez vous, j'ai vu l'entrée de l'usine. C'était l'occasion dans l'usine. J'ai reconnu, c'est comme chez moi. Les gens qui seront demain en difficulté, hein, sur les 190, qui est dehors, c'est pas 110 personnes, au-dessus de 45 ans ou quelque chose comme ça, il me semble. Donc inutile de vous dire que demain, pour retrouver un boulot dans le bassin normand en partant de Vallourec. Non, bon, voilà, bon, tout ça, c'est bien gentil, mais soyons clairs, c'est ni plus ni moins que de la poudre aux yeux. On est quand même ici trois parlementaires, deux députés, une sénatrice. Et on a intérêt à peser auprès du ministère pour obtenir rapidement une rencontre avec vous, pour que vous puissiez faire part de vos demandes. Mais c'est pas que des paroles, il faut des actes derrière, il faut qu'on pousse, il faut leur mettre la pression. La pression pour vous, pour les salariés, la pression pour le bassin d'emploi ici. L'industrie, c'est le cœur de notre combat politique et on veut porter ça fortement. Sinon, nos régions vont être vidées de leur sang. On tue l'industrie, on tue les sous-traitants, puis derrière, on dit on peut fermer des écoles parce qu'il n'y a plus de boulot, on peut fermer un hôpital parce qu'il n'y a plus d'entreprise. Enfin, c'est tout qui dérouille derrière. C'est ça le scandale du système économique aujourd'hui. C'est qu'on est en train de sacrifier des emplois, sacrifier des industries, des usines, alors qu'on a tous les atouts pour les faire tourner, pour servir des intérêts financiers. Je vous laisse mes coordonnées, mon portable, mon mail, vous pouvez partager. D'accord, hein, sans aucun comme ça, on peut échanger en direct au cas où. D'accord. Et mon mail, c'est pour... comme ça, vous pouvez m'envoyer les infos sur... sans aucun souci. Je sais que vous êtes en contact direct avec... Oui, mais vous faites ce qu'on veut. Allez, on se tient au courant. Ouais. Là, on reprend les voitures, on va dans un autre endroit. Nous voilà à Saint-Étienne du Rouvray. On est sur un site Enedis. Enedis, c'est EDF. Ici, de nombreux salariés se lèvent contre le projet Hercule qui vise à restructurer l'énergie en France en ouvrant encore plus la privatisation d'EDF, ce qui provoquera certainement des suppressions d'emplois, une hausse de tarifs pour les consommateurs et la fin de l'énergie 100% publique à la française. Donc on est tous en lutte depuis quelques temps maintenant contre des plans qui sont... néfaste évidemment et pour les usagers et pour les salariés et pour le bien de la nation. Nous on défend l'intérêt général, quelques-uns défendent des intérêts privés et strictement financiers. Je voulais que nous tous on accueille et on remercie chaleureusement nos élus communistes à venir nous soutenir sur ce piquet de grève. Alors oui, les gouvernements et les directions successives sont responsables de la dégradation de la qualité du service public de l'énergie et devront en rendre des comptes. Les gaziers, pas plus que les électriciens, ne seront épargnés par les stratégies financières qui sont concoctées. 50% de hausse de facture d'électricité en 10 ans pour les gens. Les salaires, ils n'augmentent pas. Les pensions, elles n'augmentent pas. Par contre, les factures, elles augmentent. Nous sommes avec vous pour vous dire que nous mènerons cette bataille contre le projet Hercule et pour préserver une filière publique de production et de distribution d'électricité et de gaz dans notre pays. Nous avons besoin d'une maîtrise publique de la production d'énergie dans notre pays, y compris pour tenir nos engagements en matière de climat. Et faisons en sorte d'être le plus unis possible et le plus mobilisés contre ce projet de privatisation.
Allez, on va y arriver. Puis notre périple continue à Sanofi, le géant du médicament. En période de Covid, alors que tout le monde attend après un vaccin français, le groupe a annoncé la suppression de 400 postes en recherche et développement. Sanofi, vous connaissez tous cette petite PME du médicament en française qui a toujours à cœur d'aller réclamer de l'argent public pour arriver à survivre, hein, parce qu'elle en a bien besoin. La crise sanitaire met en lumière le fait que les médicaments ne sont pas faits en France, ne sont pas faits en Europe, ils viennent de Chine, c'est un véritable scandale, etc. Bon, la première chose, c'est que les grands laboratoires sont les premiers responsables du fait que ça se passe à l'étranger, en Chine, etc. Voilà. Vous ne savez pas que l'on parlerait à ce point d'une pénurie de vaccins. Et aujourd'hui, il y a une pénurie de vaccins réelle. Dans les centres de vaccination de Seine-Maritime, comme du Nord, d'où je viens, les coups de fil que nous avons, c'est qu'on nous demande de déprogrammer des rendez-vous pour se faire vacciner. C'est honteux. C'est honteux. Mais quand est-ce que ça va exploser? Quand est-ce qu'on va réclamer tous ensemble à ce que les vaccins tombent dans le domaine public, comme c'était le cas par exemple avec le vaccin contre la poliomyélite, découvert par Jonas Salk en 61, et qui a fait le choix de ne pas breveter le vaccin et de le donner à tous les pays pour que tous les pays produisent le vaccin contre la polio pour sauver des vies humaines et des enfants. On doit aujourd'hui avoir la même démarche, la même demande avec les vaccins qui arrivent contre le coronavirus. Enfin, nous passons par l'usine Cléon de Renault. Avec le plan Renaultution annoncé par Luca Di Meo, la marque aux losanges se restructure et mise tout sur l'électrique. Une mutation qui, dans cette région, menace près de 687 postes. C'est 4600 suppressions d'emplois en France, mais nous, on rappelle aussi quand même que c'est 15 000 suppressions d'emplois dans le monde. Il n'y a pas que la France qui est touchée, hein, c'est l'ensemble des travailleurs de Renault. Aujourd'hui, tu as 6 000 euros d'aide pour l'achat d'une voiture électrique. Cette stratégie industrielle, c'est avec le soutien de l'État. Les batteries, il parle de batteries dans ton coin vers Douai, c'est l'État. Parce que la marge qu'ils vont se faire, d'une certaine manière, c'est aussi avec notre pognon. Je vous livre tout de suite mon avis là-dessus. Je suis pour maintenir la production de moteurs thermiques. Je trouve que c'est une connerie que de faire une croix sur des compétences, des savoir-faire et des lignes de production quand il y a eu autant d'argent investi pour réduire fortement les émissions polluantes. On ne peut pas tout miser sur l'hydrogène et l'électrique. Si je dis ça, c'est parce que quand je suis allé à Grenoble au CEA, c'est les chercheurs et les ingénieurs qui travaillent sur l'hydrogène et sur l'électrique qui nous ont dit que c'était une aberration de faire une croix sur la production de moteurs thermiques. Tuyaux, électricité, médicaments, voitures, nos visites du jour touchent à des secteurs très différents. Je me faufile dans la voiture de notre député pour en savoir un peu plus sur le fil conducteur de la journée. La cohérence de l'ensemble du déplacement m'échappe un peu, et ma caméra aussi par la même occasion. La caméra, elle part sur le côté. je connais la caméra par là-bas. Alors, on a commencé donc avec des fabricants de tuyaux. Ensuite, on est parti dans le médicament. Là, maintenant, c'est les moteurs thermiques et électriques. Et ce que je voulais discuter, c'est quels sont les points communs en fait. Déplacement en Seine-Maritime, on touche à plusieurs activités industrielles propres à ce territoire-là. Et on voit que l'industrie, ça pèse, hein. Pas seulement que dans le nord, dans le sud. Voilà. À chaque fois que je vais dans un déplacement, je rencontre des salariés qui dépendent d'une industrie, ou directement ou indirectement. Donc on voit que l'industrie, c'est quand même un sujet qui est un fil directeur qu'on doit avoir. Donc toutes ces usines qui se délocalisent, c'est des recettes en moins pour le pays, mais c'est aussi une perte de souveraineté. Donc on a besoin de s'en préoccuper, et c'est pour ça que ces rencontres, elles sont importantes pour moi, de pouvoir leur apporter le soutien et pouvoir construire un programme en matière de reconquête industrielle qui sera déterminant pour 2022. Cool, enfin une petite question, c'est pas, on peut pas dire provoque, mais un peu... Vas-y, tu peux me provoquer, pas peur.
Ouais. Il y a pas mal de, comment dire, c'est un peu une tarte à la crème, mais en gros c'est toujours le truc qu'on bat fin du monde, fin du mois, machin. Comment on fait en fait justement pour avoir une industrie de demain qui protège nos emplois tout en faisant face... Eh ben, on a la solution. Faites confiance au monde du travail. Faites confiance aux salariés. En fait, si on donne des pouvoirs aux salariés avec un droit de veto sur des plans, des stratégies qui font du mal à l'emploi, qui font du mal à l'environnement, eh ben on doit faire confiance aux salariés et on doit leur donner ce droit de veto. Faut redonner, en fait c'est une question de démocratie. Aujourd'hui c'est une infime minorité des conseils d'administration qui sont en train de polluer la planète, de tuer les emplois, même là sur la pandémie ils sont pas au rendez-vous, ils sont en train de nous tuer. Enfin c'est honteux quoi. Et c'est les salariés de Sanofi qui nous le disent. On produit ici à Sanofi le seul antibiotique au monde qui permet de soigner des maladies respiratoires. Il suffit que l'actionnaire décide que c'est plus rentable ou alors il décide que c'est très rentable et il augmente les prix. Et qui va payer derrière? C'est nous. Basta, il faut leur reprendre le pouvoir. Ça c'est un programme. Là, on termine la journée. La journée se termine sur un petit rassemblement informel avec les communistes de la région. Où Fabien Roussel fait un dernier petit meeting improvisé. Il a l'air de les avoir convaincus. Bon Fabien, ouais, merci. Je te pique à tout le monde 5 minutes. Là du coup c'est un rassemblement de camarades communistes, un peu informel. Oui, on est obligé, clandestin même. Clandestin. Toute la journée, c'est aussi grâce à ces gens-là qui se battent sur le terrain que tu as pu rencontrer toutes ces personnes. Ce que l'on oublie souvent, c'est que la force du Parti communiste français, sa force, c'est et des idées d'un côté, mais aussi un réseau d'élus, de militants implantés dans les villes, dans les villages, dans les entreprises. Ce sont autant de lanceurs d'alerte, ce sont autant de contributeurs d'idées. Et c'est pour ça que l'on arrive aujourd'hui dans tout le territoire, dans toutes les régions, tous les départements et dans de nombreuses communes, à pouvoir venir parler avec des salariés, des gens, des habitants, y compris en pleine pandémie. Ouais, les gens du réel dans la vie, voilà. Dans le parti du réel. C'est nos racines. Nos racines, elles sont dans toute la France. C'est un équilibre entre les élus et les militants. Mais en fait ce que j'entends aujourd'hui nourrit des idées, des propositions. Parfois, ça donne naissance, y compris à des propositions de loi, que l'on va ensuite défendre à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et puis ça peut nourrir aussi un programme pour le pays, pour des échéances nationales. Ce qui me motive, c'est la colère que j'entends, que je perçois, que je sens, que je partage et que j'ai envie de porter. Et ça, c'est qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi. C'est ça. Voilà, ça ne peut pas être autre chose. Je suis indigné tous les jours et je voudrais pouvoir trouver des solutions là pour tout le monde. Mais ça ne tombe pas du ciel, on doit se battre pour ça, on doit les construire. On doit les porter ensemble et donc il faut aussi donner confiance aux gens et moi tout ça, ça me motive. Super, merci beaucoup. On se voit au prochain épisode. Tu sais qu'on va mettre ça sur internet et on va demander aux gens aussi leur réaction. La prochaine fois, je viendrai peut-être avec des questions qui ne sont pas les miennes, qui sont peut-être sans doute plus intelligentes du coup, qui seront celles des autres. Voilà. À disposition. Super. Merci Fabien.